Hey, salut tout le monde, c'est The Marco Axis. Donc nous retrouvons sur Minecraft et donc plus particulièrement sur le serveur World of PvP, qui est mon serveur, mais aussi plus le serveur de Everkiller Legend, donc qui est l'administrateur principal de ce serveur. Donc salut à toi. Salut. Et donc il est toujours content, comme vous pouvez voir. Donc nous avons présenté notre serveur qui est un serveur de PvP. Donc il y a je ne sais pas combien d'administrateurs, on va aller voir. Vu que donc là c'est le spawn, comme vous pouvez voir c'est un grand spawn hein, qui est bien je trouve. Donc nous avons le fondateur qui sont Killer Legend, que vous pouvez voir ici avec son superbe skin qu'il a fait lui-même. Tarato, donc les cofondateurs qui sont Minecraft Lucky 40 et The Marco Axis, qui est bien sûr moi, et l'animateur et animatrice qui est New World 3. Voilà, donc ce sont les 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les 5 administrateurs ou les gens qui gèrent un petit peu ce serveur. Et donc je fais partie de ces gérants. Donc le chef, le leader, c'est Ether Killer Legend, que je vais appeler Ether, ou Arthur, mais je préfère l'appeler Ether. Donc explique-nous un petit peu ce que va être le serveur en gros. Qu'est-ce qu'il sera dédié? Il sera dédié à quel Il sera dédié à quoi? Il sera dédié au PVP. PvP faction, survie pour ceux qui préfèrent. On pourra acheter certaines parcelles dans la ville pour pouvoir construire sa maison. Tu vois, que dalle. Voilà, un petit monde créatif aussi pour ceux qui préfèrent le créatif. Mais il sera surtout basé sur le PvP faction. Ouais, sur le PvP faction. Donc vous pouvez voir ici la Warzone, qui est la zone de combat. Donc il y a aussi le spawn, donc ça c'était fait par moi et par Minecraft Lucky. Hein. Merci à toi aussi. Ether Legend a fait surtout les plugins. C'est le principal qui a fait un peu tout, j'ai envie de dire. Il sera orienté vers le PVP. Le PVP qui est vu comme ça s'appelle World of PVP. Déjà, on voit par le nom. Et donc, ça va être un serveur, je répète trois fois, c'est pas grave, qui sera dédié vers le PVP. Et donc, il y aura aussi des modes survie pour pouvoir casser des blocs, hein, pour pouvoir un petit peu gagner, pour pouvoir avoir des armures, avoir des épées. Bien sûr, il y aura un kit, mais un kit qui sera très moyen, un kit juste pour se combattre modérément. Après, vous pourrez créer votre propre armure et vos propres épées. Malheureusement, j'ai pas envie de dire malheureusement, mais explique-nous les règles les autorisations de Warzone. Mon petit FR. Alors, c'est toujours les mêmes règles. Dans le bâtiment, là, déjà, on a toutes les règles. Ouais, donc, ici, tout de suite, au moment où vous allez venir, vous allez lire un petit peu le panneau qui est là de tous les events, les présentations. Vous allez descendre sur le cul de ce monstre qui a été fait par moi. Hein, la zone, je sais pas si vous avez vu, hein, ça ressemble à un monstre, une pieuvre. Une sorte de pieuvre, une sorte de gâche. Et donc vous sortez là et vous êtes directement vers ce bâtiment de bois qui est le bâtiment fait par FR. Et ce bâtiment sert à réglementer le serveur et savoir ce qu'il faut pas faire et pas faire. Donc explique-nous un peu les choses principales, hein. Pas tout mais juste les principales. Ben déjà le griffe il est interdit. Sinon on est 24 heures. Les insultes non plus, le cheat non plus. Par contre, c'est un ban définitif. Ouais, c'est sévère, le cheat est sévère. Ouais. Il faut un screenshot aussi, hein. Sinon on va pas ban comme ça. Le float, bon, c'est saoulant. Donc, je mettrai. Ça, c'est les panneaux un petit peu pour les motos et les animateurs et les guides et tout.
Mais moi, je peux faire ce que je veux, donc je le gèle, je le mute, ou si c'est vraiment sous l'or, je le banne. Pour le give, déjà, le joueur, soit il est jail, soit il est mute, soit n'importe quoi. Et l'admin, s'il give, ban direct. Bon, la pub, voilà. La pub, on aime pas, on aime pas dire ça, mais on veut pas qu'il y en ait trop. On en veut presque pas, j'ai envie de dire. Mais pour la pub, je sais pas si on paiera pour les gens qui veulent faire de la pub, mais bon, pour l'instant, on s'en fout un peu au niveau des pubs, donc c'est pour ça qu'on veut pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc, c'est déjà, on a déjà un petit peu tout expliqué. On va faire quelque chose de rapide, hein. Peut-être qu'on fera une dernière vidéo juste pour montrer l'amélioration ou un petit peu tout. Donc juste pour vous expliquer, la survie n'est pas, c'est pas un portail fait exprès pour la survie. C'est vraiment, c'est des portes, des sortes de, c'est des portes, des murs que vous voyez là, qui servent à sortir et pour pouvoir utiliser la survie qui est là, donc tout autour. Donc il y a des murs qui servent à séparer la survie à la warzone. C'est là qu'il sera. Il y aura plus de fight, ça ici où il y aura du fight. Donc vous pouvez pas casser bien sûr le bloc, mais il y aura beaucoup beaucoup de cachettes, tout comme ça pour vous battre et pour pouvoir vous amuser. Excusez-moi. Explique-nous un petit peu ce que tu as. Tu as dit qu'il y avait le plugin faction. Et qu'est-ce que tu veux que. Explique un petit peu aux gens ce que ça peut faire. Bah, vu que c'est un. Merde. Vu que c'est un petit serveur. T'as pété. Vu que c'est un serveur PVP, Ah. je pensais que ce serait un petit peu intéressant de pouvoir faire des factions, d'aller à l'aventure. Ouais, c'est, je trouve c'est beaucoup plus, je sais pas trop comment vous dire, mais oui, il a demandé l'avis à tout le monde. C'est qu'en fait d'intégrer le truc faction, et en fait faction, vous pouvez créer vos propres équipes vous-même. Je sais pas si on paiera. Je sais pas, Fifi. Je sais pas si. FR, est-ce que tu penses qu'on va faire payer les gens qui veulent créer leur propre faction? Non. Le problème c'est que nous, il y en aura beaucoup trop. Pour les grades VIP, bah oui, comme sur tous les serveurs. Mais pour la faction, non. Bah les factions, sinon il y aura beaucoup trop de factions sinon. Sinon on verra, sinon on verra. Il y a aussi un autre truc, c'est qu'en fait on créera juste deux factions qui seront générales, c'est ceux qui seront, voilà, ceux, vous pouvez vous rejoindre ou pas rejoindre, et après vous pourrez rejoindre ceux qui sont qui ont été créés par les gens, par les joueurs qui sont venus ici, des groupes, des clans, des factions quoi. Et donc nous on va créer deux factions générales qui seront marquées, je ne sais où, hein, deux factions générales qui seront marquées, qui seront dans une salle et que vous pourrez voir et que vous pourrez rejoindre. Nous avons aussi la salle des portails, hein, on va peut-être un petit peu rajouter tout ça. Il y aura aussi différents jeux, il n'y aura pas que du PVP, il y aura aussi du. Je sais, mais je sais pas, hein, ça c'est avec FR, on verra par la suite, il y aura beaucoup de monde qui viendront et qui en voudront. Des Hunger Games, je sais pas, je sais pas, des combats avec des petits blocs, je sais pas si vous connaissez ce thème. Donc des maps qui seront pas créées par nous, qui seront créées par des maps qui ont été créées, comme, en fait pour vous dire. Des maps qui sont pas créées par nous, mais des maps qui ont été créées par d'autres personnes. Ce sera beaucoup plus simple pour nous. Et je pense que ce sera beaucoup plus beau et plus travaillé que ce qu'on pourrait faire. Ifer, qu'est-ce que ça nous sera rajouté au niveau du serveur? Les gens n'acceptent pas les kikous. Voilà. Oh, et ça oui, j'avais même pas expliqué, excuse-moi, je me suis trompé. On n'avait pas expliqué que notre serveur est en 1.6.2. Donc ceux qui veulent rejoindre les premiums, installer donc la 1.6.2, parce que nous, bon, on a voulu mettre la 1.6.2 parce que bon, c'est une nouvelle version et bon, je peux pas dire qu'elle est bien quand même. Donc voilà, j'espère que vous êtes qu'il y en a qui vont venir. Donc on n'accepte pas les kikous parce qu'on veut pas accepter les Minecraft craqués, car dis-le FR, pourquoi? Généralement, il y a plus de kikos sur les versions craquées et Voilà, et on on aime. essaie d'éviter le maximum possible, le plus possible les griffes.
Les griffes et aussi les. Parce que vous savez que les Minecraft craqués peuvent servir en outil de hack pour hacker les comptes, les serveurs, donc c'est pour ça que on évite. Et comme ça, il n'y aura pas de problème parce que là, quand vous connectez, il n'y aura pas besoin de mot de passe. Ce qui est, je trouve, beaucoup plus sympa que de mettre des mots de passe. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu accepter de craquer, parce que les craqués pourront prendre le mot de passe des autres trucs comme ça. Voilà, donc on n'a pas préféré faire ça. Je sais pas ce qu'on pourrait raconter d'autre. Hein. On a ça, des plugins là qui ajoutent des gardiens. Ça, je pense que c'est sans importance. On vous a un peu expliqué le truc. Donc venez les gens. Vous pouvez venir. Hein, ceux qui aiment le PVP, ceux qui aiment la survie, ceux qui aiment créer leur propre maison. Vous pouvez venir. C'est un peu de tout. Sauf c'est beaucoup plus orienté vers le PVP. C'est pour ça que nous l'avons créé. Donc au niveau des jeux des Hunger Games, ça on verra vu que c'est orienté vers le PVP. Donc on inventera peut-être nos des jeux, on verra ça. Avec FR, donc là c'est l'armurerie, vous pourrez fabriquer et donc réparer et nommer vos matériaux, vos épées et tous les trucs comme ça. Et là-bas, c'est la Warzone qui est plutôt pas mal. Hein. Je vous montre quelques trucs. Mais bien sûr, il y a aussi FR qui veut qu'on crée un forum et qu'on crée un site. Non, c'est un forum que t'as dit. Oui, un forum. Un Oh, forum. un site aussi. Hein. Un site, ce sera aussi mieux parce que comme ça, ce sera plus joli. Et en fait, il a fait quelques screenshots. Putain, j'allais dire. screenshot de cette map qui a été vraiment bien, qui a été bien faite. Hein. Ouais. Je suis un peu avare, mais non, non, pas avare, je me dis des conneries. On a créé World Edit, on a utilisé World Edit pour faire les montagnes, comme vous pouvez voir. Voilà, on a un petit peu fait un petit peu à notre dose, et voilà, on a fait un petit peu des pièges et tout comme ça, pour que vous puissiez bien vous amuser. Donc j'espère qu'il y aura du monde qui va venir. Et donc, voilà, donc on a, juste pour info, les premiers qui viendront, on essaie de recruter des gens qui sont des puces et quoi, des modérateurs ou des animateurs? Ah, les deux, hein. Et surtout les guides. Ouais, les guides, on a pour l'instant, on est impératif au niveau des guides. On a besoin beaucoup. Donc c'est pour ça, ceux qui viendront les premiers et qu'ils ont. Alors, on va venir un petit peu sur ça. On essaie d'avoir des gens qui ont, voilà, comment dire, qui sont bien posés, qui ont un âge. Voilà, ça tient pas quand même On n'essaye pas qu'ils ont, je sais pas, 12 ans ou 11 ans, il y a quand même des moments aussi, faut pas exagérer. Voilà, qu'ils parlent bien, qu'ils font des trucs comme ça, parce qu'on aimerait que ce soit, qu'il y ait un bon comportement au niveau des modérateurs et des guides pour que ça puisse bien se passer. Donc voilà, FR, est-ce que tu veux rajouter deux ou trois choses? Ouais. Déjà, Vas-y. essayez pas de sauter quand vous arrivez à la sortie du survival PVP. Essayez pas de grimper par-dessus la warzone. Voilà, c'est pour ça qu'on vous fait confiance, on n'essaie pas trop de vous enfermer. Donc on essaie de faire un truc comme ça, donc on espère qu'il n'y aura pas des kikous. Même si on essaie de pas avoir de kikous, mais s'il y a des kikous qui s'amusent à sauter, je pense que là on va commencer à faire des règles et un petit peu à faire des choses un petit peu à. Comment dire? À renfermer tout ça, et moi j'ai pas trop envie, ça me fait du boulot, ça fait du. Ça fait ça. Pff. On essaie de vous faire confiance, donc on l'a fait et on a essayé ça, une petite muraille, donc on espère que vous n'avez pas monté et essayé de faire en survie un truc, donc voilà. On espère que tout se passe bien et on espère voilà, que ça va créer des factions qui pourront parler sur Skype, qui pourront faire des tactiques, voilà, de tout ça, donc on espère, on espère, on espère. Donc rajoute encore des choses, hein, tu peux rajouter, hein. Vas-y. Pour les plugins, on utilise déjà Group Manager. Celui-là, il va virer. Hein. On va le remplacer par Permission, Permission, ouais. ouais, que je trouve déjà plus complet. Bon, on a aussi Chest Shop, essentiel. Logblock, ce que je n'utilise jamais. Locket pour ceux qui ont vraiment envie de garder leurs propres ressources. Ouais. Et un petit plugin assez sympa pour vous surveiller, surtout pour le délire en fait. C'est 10 d'espace. Ouais, c'est un plugin que je pense peu de monde connaissent. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est un plugin qui permet de se mettre en animal. Donc c'est plutôt sympa pour nous, c'est plutôt rigolo, j'ai envie de dire. C'est Mais bon. bon, c'est plus pour vous surveiller, pour que vous puissiez pas faire de conneries. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ce plugin. Ah, mais oui, c'est toi!
Voilà, donc j'ai écrit, j'ai vu un cochon qui volait, je me suis dit putain, mais qu'est-ce que c'est ce con? Voilà, donc c'est ce plugin qui permet de faire des. Donc de mettre en cochon, de mettre en tout mob, même des objets, donc on pourra vous surveiller. Donc soyez pas trop surpris si vous voyez des cochons qui volent ou des cochons. Oui, c'est des cochons volants, c'est plutôt pas répandu sur Minecraft, mais voilà. Ce sera OuFR qui s'amuse. Or, FR, on espère qu'il va pas s'amuser à taper les autres. On l'espère. Tu veux, il y a aussi ça. Voilà, donc on a de tout, on peut tout faire, mais bon. On peut se Voilà. balader aussi avec le. Attends. L'Under Dragon. Alors. Non, je peux me balader aussi avec ton skin. Merde. Voilà. Puis tu t'es chié sur mon nom, hein. Tu t'es juste chié sur mon nom. Ouais, ah merde, je peux pas. You have to end this first. Ouais. Voilà quoi. Voilà, donc en fait, voilà. On peut pratiquement tout faire et essayer de vous surveiller. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux, qu'il n'y ait pas des personnes qui soient. J'espère qu'il y aura des personnes qui seront bien posées, qui seront sympas, genre mes abonnés qui pourront venir. Hein. Si vous voulez venir, ben venez. Hein. On sera heureux de que vous puissiez venir. Voilà, j'espère qu'il y aura des factions qui seront créées, des gens qui mettront sur Skype et qui essaieront de faire des tactiques, on espère qu'il y aura beaucoup de monde qui viendront. Donc voilà, donc on mettra le lien sous la description et j'ai envie de dire si ça va être fini là ou tu veux encore rajouter des choses. Je pense que c'est fini, à Alors part que vas-y, s'il y en vas-y. a Hein. qui rejoignent le serveur et que dans leur but premier c'est de tout exploser ou de se faire directement à peine avoir rejoint le serveur, on n'y sera pas. À bannir, bah bannera s'il y en a un qui s'amuse à mettre des TNT, des trucs comme ça. Ça pour le coup à bannir, mais pour la survie on s'en fout un peu, mais pas trop près des bâtiments. Sinon on va devoir civir et on va devoir essayer de mettre un plugin qui va bah, donc supprimer les TNT. Et ce que je trouve dommage parce que vous pouvez utiliser des TNT pour tuer tel gens, donc voilà, on trouve ça un petit peu dommage. Mais à mon avis on va peut-être supprimer, on va essayer de mettre un plugin qui supprimera les TNT. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à venir avec FR qui est une personne très charmante. J'en ai déjà la tête des trolls. Oh là là. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Attendez que je supprime cette pluie parce que j'ai pas envie de clôturer cette vidéo avec une pluie, s'il vous plaît. Et donc le shop qui est là, mais qui sera à mon avis amélioré, car il est beaucoup trop petit pour un shop. Donc voilà, on pense qu'on va un petit peu améliorer tout ça. Et je vous dis, ce sera bien cher, car c'est pas donné, mais bon, c'est Ah normal, ouais, c'est quand même. normal. Ah ouais, j'avais pas vu. Mais à mon avis, on va changer tout ça. Hein. Mais pour l'instant, il y aura du PVP, donc on essaiera de mettre des kits pour vous. Donc, slash kit, tel, on mettra, on met, on mettra, on met, on marquera. Et vous aurez, je sais pas, imaginons un full cuir. Voilà. Comme ça, vous serez au moins protégé. Mais vous aurez pas trop de choses, vous ne serez pas trop protégé. Voilà. Petit slash petit boules, c'est tout. Voilà. Donc, bon, les amis, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo sur Marco Sky Game Show. Pour les abonnés qui me suivent, pour les seuls abonnés qui me suivent, voilà. Et donc, pensez à vous abonner à la chaîne et pensez à venir sur le serveur. Et voilà, donc il y aura un site. Le site, je mettrai le lien s'il sera en création ou s'il est créé. Et même le forum, donc vous pourrez parler ensemble. Et j'espère que cette vidéo va tourner pour que vous puissiez donc faire connaître cette serveur qui, à mon avis, va vivre longtemps parce que moi, quand je crée un serveur ou que je fais un serveur, je reste longtemps. Même si certains serveurs n'ont pas vécu longtemps, tel que le serveur de Tarato. Ouais. Voilà. Mais vu que c'est FR qu'on Ça croyait, fait une semaine. mais FR, on y croit. Si c'est FR, va tout faire pour le faire marcher. Voilà. Donc je vous dis comment? Si vous pouvez envoyer quelques petits allopasses pour récupérer les données de l'ancien serveur, ça serait sympa. Et pourquoi on me mettra VIP si vous aidez à faire ça. Voilà, donc on va se quitter là les amis et on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Et donc à plus, mettez un like, venez et donc je dis bye donc à The Marcorex. Je sais pas c'est qui, c'est un autre mec qui est habillé en Steve malheureusement. Mets-toi en normal s'il te plaît parce que je peux pas te voir en Steve. Je sais plus, je sais plus la commande. Bon, c'est pas grave. Donc, on va se dire bye, à plus. Et donc, à la prochaine, les amis. Donc, FR, dis au revoir. Parce qu'il est pas poli, FR. Donc, faut que je dise au revoir. Faut que je dise au revoir à cette araignée. Allez, dis au revoir, FR.
Au revoir. C'est très bien, c'est très bien, c'est. Allez, à plus tout le monde et à la prochaine. Allez, bye.